colonie de la France n'est qu'une indépendance illusoire. Et la meilleure carte pour célébrer le 61e anniversaire a organisé hier une rencontre virtuelle qui était très édifiante. Nous avons demandé à ce que cette rencontre soit enregistrée et qu'elle puisse être relayée massivement à l'intérieur du bureau parce que malheureusement les participants étaient plus de la diaspora que du Togo. Pourquoi? On le sait. Parce qu'aujourd'hui, au Togo, il y a des efforts pour faciliter l'accès des populations à la connexion, à une connexion qui permette à cette population-là d'avoir accès à des informations. Ça coûte cher, ça aurait coûté cher aux Togolais de l'intérieur de se connecter pour participer à cet événement qui a duré 3 jours. Mais l'une des leçons qui ont été tirées, c'est que on n'a pas obtenu une véritable indépendance. Ce qu'on a été obligé à donner, on a mis en place un système pour le reprendre et ne le laisser que d'apparence. Des intervenants, des communicateurs ont sorti des documents importants, des documents sur des accords secrets dans lesquels étaient consignées des clauses révoltantes. Je vous dis, des clauses qui montrent que, bien qu'on ait octroyé l'indépendance au pays, aux anciennes colonies, on a tout fait pour garder la mainmise sur les ressources des pays, pour contrôler les pays économiques. Et qui contrôle économiquement, contrôle politiquement. Et on a tout fait aussi pour enlever aux citoyens des pays indépendants le droit de choisir librement leur vie. C'est les manifestations que nous vivons. Et c'est l'une des manifestations que nous avons vécues au Tchad récemment. Et ce que les Tchadiens vivent en ce moment nous rappelle aussi ce que nous avons vécu depuis que formellement, on a fait notre entrée en démocratie, ce qui voulait dire, à partir de ce moment, les Togolais doivent être libres de choisir leur gouvernement. Mais on sait tout, on s'est débrouillé, on a tout fait pour que la réalité soit libre. Pour que à chaque élection, on n'aille pas dans le monde de ce que les Togolais ont décidé. Et malheureusement, pour les tenants de cette pratique, pour les tenants de ce système, les Togolais, tout comme les populations des autres pays africains concernés, commencent à avoir une prise de conscience de plus en plus grande. Hier, je discutais avec une autorité de l'UNIMA. Je voulais comprendre exactement la position de l'Union africaine sur le Tchad. Mais l'autorité m'a dit, oui, nous sommes conscients que les populations rejettent
Il y a d'autres pays et à jouer à ceux